Ce résumé vous est présenté par Heineken et Mastercard. Sponsor de l'UEFA Champions League. Davies rentre dans le rectangle, non, il écarte, mais Musiala qui peut frapper, c'est contré, ça revient encore avec la frappe de Pavard qui part à côté. Et on en a déjà plein les pieds sur les côtés, du côté de Villarreal, avec chaque fois les duos qui font très très mal. Le ballon chez Lo Celso avec Gérard Moreno à sa droite, le voici. Il faut essayer d'accompagner, mais on rejoue chez Lo Celso. Le centre en retrait, c'est bien vu, la frappe. Oh, le but! Le but inscrit par Danjuma qui est là et qui ouvre la marque. Ouverture du score par le Néerlandais sur la première occasion de la Villarreal dans cette partie. Et ça va évidemment mettre le feu dans ce stade. Il a surgi là, comme on ne l'attendait pas. Et c'est là qu'on voit toute la roublardise de cette équipe et de leur coach. Hein. Ils ont laissé passer la tempête. Et puis on voit, ça joue au milieu de terrain, il y a du jeu et puis il y a les infiltrations. Et là, Danjuma qui surgit. Mais cette défense du Bayern qui se fait prendre par ces infiltrations tellement importantes dans le jeu d'Emery. Et notamment Parejo et Danjuma. Attention à ce ballon, Danjuma, Parejo. Parejo avec Capou. Non, on rejoue avec Parejo. La petite balle, elle est bonne. Appel aussi. Le centre, deuxième poteau de Coquelin. C'est but. Ça rentre. Complètement surpris. Et nous aussi, d'ailleurs. J'ai l'impression qu'il y a une position de hors-jeu. Et voilà, il y a position de hors-jeu. Effectivement, but annulé. Musiala pris et Capou qui part avec Danjuma sur sa vitesse. Un petit sprint de Danjuma, il s'est arraché. Danjuma, le retour de Davies. On repasse chez Capou. Capou, le bon choix maintenant. La puissance de Capou. La frappe de Capou maintenant à côté. Ça a été dévié. C'est un corner. Nabri. Il y a une réelle bagarre de l'entrejeu là qui s'est entamée dans ce début de deuxième mi-temps. La possibilité Musiala, il n'a pas osé frapper. Bien vu de la part de Müller, pas de hors-jeu. Davies toujours, le centre, le ballon en retrait. Nabri, la frappe et oh, Müller qui voit ce ballon passer devant son pied. Ça s'est joué à quelques centimètres. J'ai l'impression que ça rebondit juste devant le pied de Müller. Coquelin n'a pas pu rejoindre les joueurs équatoriens. Puis c'est maintenant Lo Celso avec Gérard Moreno. Foyce dans son dos. Gérard Moreno, la frappe. Oh, le poteau! Le poteau, Müller était battu. C'est parti. C'est la tête de Moreno et Danjuma. Mais Neuer est là. Ouh, ballon manqué de Neuer et Moreno, le ballon de Moreno qui passe à côté. Ah, pas de chance, c'était un mètre à côté, mais il l'a fait tout de suite Moreno, il y avait que ça à faire. Quelle occasion. Lewandowski, c'est parti et c'est sur les points de Rulli. On attend. La reprise maintenant de Davies, contré par Capou, Davies et Rulli qui est sur la trajectoire. Double occasion, enfin double frappe plutôt. Alors, le ballon récupéré par Musiala. C'est parti, Musiala. Et là, c'est du 4 contre 4 avec Sané. Sané pour Lewandowski qui se fait oublier. Non, Kimmich qui joue dans la... Bon ballon pour Coman. Coman dans le rectangle. La frappe de Coman enroulée. Oh, elle est sortie par Pau Torres qui met ce ballon au-dessus de la tête.
Ah, il y a des sauvetages défensifs aujourd'hui dans ce match assez incroyable. Le ballon récupéré par Capou, qui peut jouer vers Lo Celso, dans le dos d'Upamecano. Lo Celso à la course, il est passé, Lo Celso. Et puis la petite passe, Berazza. Oh là 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 là. Ce résumé vous a été présenté par Heineken. Et Mastercard, sponsor de l'UEFA Champions League.